Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est Car et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous apprendre à obtenir une pioche gratuitement sur Fortnite. Et oui, donc les défis, donc les nouveaux défis qui viennent d'arriver, donc les défis de Pâques sont là et du coup vous pouvez obtenir une pioche gratuitement. Vous avez donc le défi, donc j'ai prévu quelque chose de dingue, il va me falloir donc ramasser des œufs rebondissants cachés un peu partout sur l'île. Donc il faut en ramasser 10 et vous pouvez obtenir du coup 35 000 XP ainsi qu'une deuxième récompense qui est du coup des pioches gratuites. Donc les potos, on va vous montrer un petit peu tous les emplacements, même si on le rappelle, du coup il y a des œufs un petit peu cachés partout sur l'île. Donc je vais pas vous montrer tous les emplacements, sachant que ça peut être un peu partout, mais il y a des spawns un petit peu prédéfinis. Du coup je vais vous montrer du coup comment le faire rapidement et simplement. Du coup sur ce les potos, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, B-O-K-U-N-I. Donc voilà, merci à tous ceux qui le mettront. Et sur ce, let's go. Et voilà, comme vous pouvez voir, du coup, on est juste en face des œufs. Du coup, avant de vous montrer l'emplacement, j'aimerais vous faire une rapide pub. Vous inquiétez pas, c'est hyper rapide. Donc, c'est pour la chaîne de Furonix. Et oui, les potos, c'est une youtubeuse qui se lance un petit peu sur Fortnite, fait un petit peu des lives et des vidéos en tout genre sur Fortnite, vidéos news, etc. C'est vraiment exactement comme nous. N'hésitez pas à aller la voir, du coup, dans la description et à lui apporter du soutien. Elle aimerait, du coup, pas mal d'avis sur ses vidéos, ce qui va pas, comment elle pourrait s'améliorer, etc. Du coup sur ce, n'hésitez pas à lui mettre des petits commentaires sur ses vidéos. Donc sur ce les potes aussi, donc les œufs, on peut les trouver un petit peu partout. Donc on peut voir ici, je suis juste au sud de Stronghold, donc à juste à côté du phare. Donc actuellement je suis dans la zone, mais je remonterai sur une autre game. Je suis désolé, j'ai bégayé. Et donc en fait moi je vous conseille personnellement d'aller ici, il y a normalement 3 œufs. Vous allez descendre un petit peu en bas ici, normalement il y a 2 œufs. Et vous allez en fait descendre en bas, là, en bas ici. Et après vous allez finir ici. Donc là en fait juste en faisant ce petit parcours, normalement le défi sera terminé. Du coup les potos, je vous reprends et je reviens du coup au même endroit sans la zone, parce que du coup ce sera un petit peu plus pratique. Et me revoilà du coup à l'endroit où je vous avais indiqué, donc bel et bien en haut de Stronghold. Vous allez voir juste en dessous sous le phare, il y a des petits arbres. Il faut aller ici. Donc vous allez voir, hop, on va pouvoir consommer du coup l'item. Donc hop, premier, deuxième, troisième. Normalement, je crois qu'il y avait même un quatrième. J'avais pas vu un quatrième. Non, pas du tout. Ah non, je sais pas où j'ai vu le quatrième. Mais j'ai dû le paumer, donc il doit y avoir un quatrième par là, mais je sais plus où. Donc voilà. Donc les gars, il y a déjà donc 3 œufs ici. On va se diriger par là-bas pour avoir du coup les prochains. Allez, je vous fais un petit cut. Et voilà du coup le deuxième endroit, comme je vous ai dit. Donc vous allez descendre un tout petit peu en bas. Et en fait, dès qu'il y a un petit peu de verdure, j'ai l'impression qu'il y a des œufs. Donc après, ça c'est une théorie pour ma part, j'ai pas visité toute l'entièreté de la map, mais j'imagine que là il y a des arbres. Donc il y en a ici, il y en a aussi. J'imagine que là, j'ai pas regardé, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a aussi. En fait, voilà, vous allez en trouver assez simplement. Donc là, on peut voir, hein, donc je suis déjà à mon cinquième œuf. Et là, on peut voir qu'il y en a bel et bien 4. Hop, donc j'imagine qu'il y a 4 œufs par endroit. Donc j'imagine qu'il y avait vraiment un quatrième là-bas, mais je suis aveugle et du coup, je l'ai pas vu du tout. Du coup, on va continuer. Et encore une fois, donc là on est ici, il va falloir aller du coup proche de l'avion là-bas et on a encore du coup des endroits pour trouver des œufs. Donc voilà, c'est assez simple, mais en même temps, il faut avoir le défi pour le savoir. Alors les potes, du coup j'ai dû relancer une game, j'ai trouvé un endroit encore plus facile pour vous, donc c'est juste ici, d'accord? Donc juste ici à côté de Steel 6 Rangol, vous pouvez voir, donc là c'est juste au-dessus, hop là, vous allez du coup ici en deuxième endroit et ici en troisième endroit et du coup la quête sera terminée. Donc voilà, regardez, on a déjà donc 3 œufs ici, donc on va continuer de les manger. Hop, et normalement ça va être le dernier œuf et la quête est validée. Voilà, donc niveau 164, vous pouvez voir en haut à gauche. Et normalement du coup ça valide la quête et également du coup je vais obtenir mes pioches gratuitement.
Et voilà, du coup, retour au menu, et ça y est, du coup, j'ai obtenu les nouvelles pioches, gourdin, coin, coin, ainsi que, du coup, 35 000 XP de saison. Donc voilà, c'est un défi que vous pouvez faire deux fois, donc jusqu'à obtenir 20 œufs, mais il ne faut pas avoir forcément 20 œufs pour obtenir, du coup, les gourdins. Donc, dès la première quête validée, vous les obtenez. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'elles sont pas mal. Je vais vite fait les équiper sur mon personnage pour voir un petit peu comment que ça fait. En tout cas, on peut déjà utiliser l'outil et on voit qu'elle est sympa. Oh. Ok. Donc, on va faire obtenir. On va essayer de se l'équiper directement sur le casier pour voir un petit peu comment que ça donne. Hop. Donc, en tout cas, voilà. Moi, je les aime bien, honnêtement. Je trouve qu'elles sont sympas à voir ce que ça donne en jeu. Donc dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Sur ce les potes, c'était Ekar. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'aller voir la chaîne de Furunix dans la description, ainsi que du coup mettre le code créateur Bokuni. Sur ce, on se revoit dans de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, donc en plus on va charbonner les vidéos là, parce qu'il y a énormément de vidéos défis qui viennent de popper. Donc n'oubliez pas, petite cloche de notification. Allez, sur ce, ciao, c'était Ekar.